m'appelle Saïda, je suis maman d'une petite fille qui a 13 ans maintenant. Je viens du Mans, je travaille dans un centre social. Voilà. Je suis communiste par rapport à mon vécu, parce que je suis née dans une ville communiste. Donc du coup, ça me paraissait, c'est venu un peu comme une évidence. Et voilà, donc je me suis découverte communiste parce que j'ai vécu dans une ville communiste. Alors quand j'étais gamine, on mettait beaucoup l'accent sur la place des jeunes, la citoyenneté. Et quand j'ai quitté cette ville-là pour aller ailleurs, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans cette commune-là ne se passait pas ailleurs. Et là, j'ai eu un déclic par rapport à mon engagement citoyen et aussi dans le cadre de ma formation professionnelle, où j'étais formée dans le cadre de l'éducation populaire. Donc moi, ça a été une révélation et le lien s'est fait automatiquement. Alors moi, c'est pas moi qui attends, c'est la section, c'est le collectif hein, qui attend. On a mis en place différents travaux dans le cadre de la section, dans le cadre de la fédération. Donc moi, je suis là pour remonter nos amendements et nos contributions à notre projet commun. Voilà. J'attends aussi qu'on prenne en compte, on nous a demandé de voter sur la base commune. Il y a eu des listes alternatives qui ont eu un score historique. Donc j'attends aussi de ce congrès-là qu'on prenne en compte ces listes alternatives. J'attends aussi de ce congrès un positionnement clair par rapport à 2017, parce qu'aujourd'hui, on est totalement dans le brouillard et je souhaite sincèrement sortir de ce congrès en sachant où on va. Voilà.